Un diamant à compter pour toute ma vie, ça c'est sûr. Je sais pas si j'ai lancé la mode, mais en tout cas, je pense que j'ai ouvert une porte, oui. 5 ans après, avec La Boum, Claude Pinotto, là, met l'adolescente au centre du film. J'ai vu La Boum avec mon autre fille, et en voyant La Boum, elle me dit « Oh là là, c'est dingue, on dirait toi ». Moi, je pensais qu'elle parlait de Sophie Marceau, et en fait, elle parlait de Brigitte Fosset. J'ai un fils qui a 13 ans, et il m'a parlé de son prof de maths, et je lui ai dit bah, « Tiens, ça ressemble au prof de maths du Père et le Jeune », et du coup, je lui ai montré. C'est un film que je pourrais plus faire aujourd'hui. Je suis passé de l'autre côté, je dirais. L'enjeu de Play, c'était de véhiculer chez ceux qui avaient connu cette époque un sentiment de nostalgie. La partie du film où on ressent le plus cette nostalgie, c'est l'adolescence. Ça a été une passerelle vers un nouveau monde. C'était l'une des meilleures expériences que j'ai faites. C'était vraiment magique. C'est nostalgique, j'ai pleuré.